Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Roblox. Alors évidemment, vous pouvez le voir, je ne commence pas la vidéo n'importe où puisque regardez, je suis dans l'éditeur pardon d'Avatar. Et regardez, j'ai trois petites images d'ouvertes. C'est tout simplement, évidemment, je pense que vous l'avez tous reconnu, Swan the Voice, voilà, qui fait des vidéos avec son frère. Je pense que vous connaissez tous cette chaîne. Et aujourd'hui, ce que je me suis décidé de faire, c'est qu'on va essayer de recréer son profil sur Roblox, puisque évidemment, vous le savez, je sais pas forcément s'il a un profil, mais j'ai vu que la vidéo avec Furious Jumper vous avait énormément plu, et je me suis décidé de pourquoi pas le faire avec le profil à Swan the Voice. Et vous savez quoi, dès maintenant, ne perdons pas plus de temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment taper Swan the Voice dans l'éditeur Roblox, donc c'est parti. Voyons voir un petit peu si des participants par hasard n'ont pas fait le personnage de Swan the Voice. Ok, bon, on a des personnages vraiment pas ouf, ça ressemble pas trop à Swan. Donc c'est parti, c'est pour ça que dès maintenant, on va créer le profil de Swan the Voice. Et ce qu'on fera évidemment juste après, c'est qu'on ira sur Brookhaven pour voir un petit peu si on peut pas troller les gens avec. Et puis bah dès maintenant, c'est parti, allons créer le profil de Swan the Voice. Et évidemment, juste avant qu'on crée le profil, si tu es fan de Swan the Voice et si tu aimes bien mes vidéos Roblox, dès maintenant, abonne-toi à la chaîne YouTube et mets évidemment un gros pouce bleu. Parce que si jamais il y a 5000 pouces bleus, je vais faire le profil soit de Neo, soit peut-être même de Sophie Fantasy. Et puis bah du coup les amis, c'est parti. Allons voir évidemment si des articles de vêtements pourraient exister, par exemple sur Swan et Neo. Alors, qu'est-ce qu'on a comme produit dans la boutique d'Avatar? Alors, si je tape Neo et Swan, voyons voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Si on peut trouver un t-shirt à leur effigie un petit peu, ça peut être sympa pour évidemment rappeler que c'est eux. Donc, c'est parti, voyons voir un petit peu dans la boutique de vêtements. Alors, bon, je pense que vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose qui ressemble à Swan et Neo. Donc, pour l'instant, c'est pas forcément intéressant. On va essayer de chercher peut-être, vous savez, un t-shirt un petit peu dans l'ambiance Neo et Swan, un petit peu ambiance enfant quoi, donc du coup c'est parti. Regardez là, vous pouvez le voir, il a un t-shirt Dragon Ball Z on dirait bien, enfin un t-shirt avec un dragon en tout cas. Là il a un t-shirt avec plein de petites chauves-souris comme vous le voyez, et là encore une fois un t-shirt avec un dragon, donc vous pouvez le voir déjà, on peut souligner comme quoi il aime bien les dragons visiblement, donc on va acheter un t-shirt avec un dragon dessus. Alors voyons voir un petit peu qu'est-ce que nous avons. C'est parti, hop, on va mettre la catégorie vêtements et la catégorie t-shirt. Et donc maintenant, on doit avoir normalement des t-shirts dragon. Hop, on va taper dragon. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme t-shirt sympa? Alors, peut-être pas forcément uniquement t-shirt, mais plutôt, voilà, tous les vêtements. Voilà, on va taper dragon juste là. Hop, nickel. Alors, voyons voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. On a, pour commencer, ce dragon-là. Juste là, voilà, Black Dragon, enfin un dragon noir quoi. Ça peut être sympa, on peut peut-être, pourquoi pas, essayer de faire quelque chose avec. Sinon, peut-être qu'on peut prendre, je sais pas, voyons voir. Alors, est-ce qu'il y a des trucs sympas? Vous savez quoi, il n'y a pas grand-chose, donc peut-être qu'on va taper Pop-It. Vous savez, Swan et Neo aiment beaucoup les Pop-It. Donc, oh, les amis, dis donc, ça peut être sympa les amis. On reconnaît clairement les Pop-It et vous savez que Swan et Neo adorent les jeux Pop-It et tout, donc vous savez quoi? On va prendre ce petit haut là. Ouais, je pense qu'on va commencer par prendre ce haut, ça peut être sympa. Et du coup, pour le bas, bah, on va prendre, je pense, un petit pantalon normal, hein, un pantalon, je pense que j'ai déjà même des pantalons sympas. Donc, du coup, c'est parti, hop, on va dans mon avatar. Et on va dès maintenant mettre le Pop-It. Voilà, normalement là comme ça c'est bon. On va voir un petit peu évidemment ce que ça donne. Est-ce que ça rend bien ou pas du tout. C'est parti, voyons voir un petit peu le rendu que ça nous donne. Alors faites voir un petit peu ça. Le temps que ça charge. Ok, bon, pour l'instant, ça n'a pas encore chargé. Ok, donc du coup, voilà un petit peu ce que ça donne, comme vous pouvez le voir. On a, eh bien, évidemment, un t-shirt sympa. Là, vous savez quoi? C'est même pas encore le skin final que vous savez quoi? Je trouve que ça ressemble personnellement déjà pas mal à Swan. Donc, c'est vraiment sympa. Maintenant, il faut qu'on aille voir un petit peu pour une nouvelle coupe de cheveux. Puisque, bon, Swan, je pense pas forcément qu'il ait des dreadlocks. Donc, c'est parti. Écoutez, on va taper directement cheveux dans, eh bien, boutique d'avatar. Et on va voir un petit peu quelle est la coupe de cheveux à Swan. Alors, vous pouvez le voir qu'il a les cheveux plutôt courts. Voilà, enfin, ils sont pas très très longs. Donc, enfin, voilà, c'est des cheveux un peu moyens. Donc, écoutez, c'est parti. Voyons voir un petit peu la couleur de cheveux qui pourrait être sympa. Alors, déjà, vous pouvez voir que c'est peut-être la couleur blonde, un petit peu châtain clair qu'il faudrait. Donc, c'est parti. Alors, c'est plus une coupe de garçon. On va voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait rappeler Swan the Voice. Alors là, on a une coupe sympa, mais après, elle fait peut-être un peu trop blonde. On va chercher peut-être des cheveux un peu plus châtains. Donc c'est parti, voyons voir un petit peu. Alors on a quand même beaucoup de coupes de filles. Là, on a une coupe sympa. On a une coupe sympa et qui est d'ailleurs vraiment stylée. Alors elle est peut-être un poil un petit peu foncée. Donc c'est pas encore ce que l'on recherche. On va continuer de chercher un peu plus. Voyons voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait bien passer sur Swan. Alors on a cette coupe là, on a celle là juste là, ok. Mais non, c'est pas forcément encore trop bien.
On va peut-être prendre... Alors, voyons voir s'il n'y a pas une coupe sympa. Oh, les amis, celle-là, elle est plutôt drôle, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En vrai, elle peut être sympa. Au pire, sinon, voilà, celle-là. Celle-là, elle est sympa, en vrai. Bon, ça fait un petit peu... Ouais, bon, en vrai de vrai. Vous savez quoi? On va essayer de voir qu'est-ce que ça donne sur le profil. C'est parti. Ok, ouais, bon, ça ressemblerait à ça. Peut-être plutôt essayer celle-là. Alors, voyons voir un petit peu ce que celle-là pourrait donner. Alors, faites voir... Oh. En vrai, celle-là, elle est drôle. Je pense qu'en vrai, connaissant Swan, il pourrait peut-être lui-même se faire un profil comme ça. Donc, dès maintenant, c'est parti. Achetons, eh bien, cet objet-là et mettons-le directement sur notre avatar. Donc, hop, on met ça. Et maintenant, du coup, qu'on a mis tout ça, il faudrait évidemment peut-être rajouter un petit truc. C'est évidemment la taille de notre personnage. Vous savez qu'évidemment, si c'est la taille de Swan, il doit être plutôt petit. Donc, dès maintenant, c'est parti. Faisons un avatar un peu plus petit. Donc pour ça, je pense qu'il faut aller bien dans la taille. Ouais, non, je crois pas que ce soit dans taille du coup. C'est peut-être... Ah, c'est ici. C'est dans la taille. Voilà, nickel, parfait. Ok, donc maintenant qu'on est ici, on va évidemment baisser toute la taille pour évidemment qu'il soit minuscule. Donc voilà, j'ai mis tous les trucs au minimum. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais voyons voir un petit peu, eh bien évidemment, le skin que ça pourrait potentiellement nous donner. Alors par contre, peut-être que... niveau largeur, peut-être qu'on devrait mettre comme d'habitude. Enfin, je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Oh, attendez. Je crois que ça avait donné un truc pas trop mal, hein. Bon, après, je crois que c'était un peu une grosse tête avec des gros cheveux. Mais on va voir un petit peu. Oh, peut-être que ça peut être intéressant. Bon, faut attendre évidemment que ça charge un peu plus. Ok. Oh, mais dis donc, les amis. C'est que c'est pas trop mal, hein. Ça ressemble plutôt pas mal à Swan. Voilà, un peu petit avec le petit truc des pop-its. Ok, bah écoutez les amis, franchement, je pense que niveau avatar, on est pas mal. Est-ce qu'on pourrait pas rajouter un petit dernier détail? Évidemment, un petit sac à dos, je sais pas si c'est possible ou pas. Mais si on peut, pourquoi pas lui rajouter évidemment un petit sac à dos. Donc on va taper directement school bag, ce qui veut évidemment dire en anglais sac d'école. Donc c'est parti, voyons voir un petit peu ce qu'on peut trouver dans la boutique avec ceci. Hop là, c'est parti. Voyons voir un petit peu, est-ce qu'on n'aurait pas des sacs d'école? Alors là, on a des sacs de cours. Là, on a un sac d'école qui est pas mal. Ouais, on pourrait prendre celui-là, on va faire... Vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va se mettre sur Brookhaven et on va faire genre qu'on adore l'école et qu'on veut y aller. On va voir directement si le sac nous va bien. Oh. What? Les gars! Eh non, eh vraiment, c'est drôle. Vas-y, je vais l'acheter, on va la prendre. Et dès maintenant, c'est parti, on va se retrouver sur Roblox. Enfin, directement sur Brookhaven pour tester un petit peu le prank. Regardez ça! On a notre sac d'école avec le personnage de Swan. Et franchement, les amis, c'est vraiment sympa. Dites-moi tout de suite dans les commentaires comment vous trouvez le résultat du skin final. Mais franchement, je trouve que c'est pas trop mal. Et vous savez quoi? Dès maintenant, on se retrouve sur Brookhaven avec mon nouveau skin. Les amis, comme vous pouvez le voir, ça y est, nous sommes bien arrivés sur Brookhaven RP. Et regardez le résultat du skin final, le skin Swan. Franchement, plus je le vois et plus je me dis que, mais les amis, mais c'est totalement Swan. Déjà, là, je me suis pris un petit overboard. Bon, là, je pense qu'on est pas mal. Évidemment, le sac d'école, puisque aujourd'hui, vous le savez, il y a cours. Hein. Bon, moi, évidemment, je vais plus à l'école, puisque ça y est, j'ai passé l'âge. Mais écoutez, voici le gros sac d'école que j'ai pris pour faire genre, entre guillemets, qu'on va à l'école. Et puis, bah, du coup, les cheveux, évidemment, c'est vraiment super ressemblant. Évidemment, dans les commentaires, dites-moi si vous aimez le skin et proposez-moi en quoi est-ce que je pourrais créer le profil la prochaine fois. Mais là, on est vraiment pas mal. Du coup, c'est parti. On se dirige dès maintenant en direction de la ville et on va aller voir un petit peu si nous avons évidemment des habitants dans cette ville. Donc, c'est parti. Alors, regardez, vous pouvez le voir juste là-bas. Nous avons une petite maison. Donc, d'accord, très bien. Une petite maison jaune juste là, comme vous le voyez. On a une maison bleue juste ici. À mon avis, je pense que nous avons eh bien des habitants dans la ville. Vous savez quoi? Dès maintenant, c'est parti. Allons passer juste devant. Et peut-être qu'ils vont me reconnaître ou je sais pas. En tout cas, c'est parti. Tac, on passe devant tranquillement. Voilà. Ok, bon, personne ne m'a reconnu pour l'instant. On va repasser une deuxième fois. C'est parti, les amis. Let's go, repassons une deuxième fois. Ok. Oh, c'est Swan. Swan. Les gars, je crois que... Maxence. Je crois qu'ils m'ont reconnu, Eh oh, Swan. Coucou. Salut, ouais, comment Swan, vous allez? Je suis ton plus grand fan. Attendez, je vais me le nier un petit peu d'eux pour pas qu'ils nous entendent. Ok, bon, les amis, comme vous avez pu vous en rendre compte, je crois bien qu'on est tombé face à des abonnés. Ouais, il me poursuit. Bon, salut, on est des abonnés. Salut, oui, les gars, vous êtes des abonnés à Swan. Enfin, vous êtes des abonnés. Ouais, on a tué un peu. Merci beaucoup, c'est super gentil.
Bah écoutez, vous voulez, vous voulez peut-être qu'on prenne une photo tous ensemble? Oui, bien sûr, tiens, voilà. Vas-y, vas-y. Attendez, il veut qu'on prenne un selfie. Ok, bon, on va prendre un selfie, c'est parti. Tada! Voilà. Cheese! C'est bon? Okay. Voilà, c'est bon. Nickel. Toi aussi, tu veux qu'on prenne une photo? Vas-y, vas-y, bah vas-y, go, prends une petite photo. Hop, tada! Hop, je me mets là. Voilà, nickel, c'est bon? Ok, bon les amis, vous pouvez voir, voilà. J'ai pris deux photos avec deux abonnés comme vous pouvez le voir. Et bah du coup, vous allez où les abonnés? Vous allez à l'école là? Oui, mais je vais dire aux copains de venir vu que tu es là. Ah oui, bah vas-y, bah allez, ramène tout le monde. En tout cas, bah écoute, nous on va à l'école. Donc bah moi j'ai pris mon overboard pour aller à l'école, mais vous pouvez venir. Maxence, suis-moi, viens à la voiture. Au pire, venez, on va voir si j'ai pas un petit truc pour aller à l'école. Faites voir. Oh, venez, on y va tous en club de golf. Venez, venez. Allez. Non, mais j'ai la voiture, c'est mon père. Voilà. Non, mais on va pas conduire de voiture alors qu'on a tous 10 ans ici quand même. Ouais, mais bon, on va pas faire des règles. Bon. Allez, c'est parti les amis. On va directement à l'école avec la petite voiture de golf. Ça, évidemment, on a le droit de la conduire. C'est pas trop compliqué. Et voilà. Et tout le monde. Tadam. Allez, guess one. Ouais. Et tout le monde, Yasmin, dépêchez-vous de venir à l'école. Oh, oh non. Attendez, il va appeler tous les gens de l'école, ils vont me dire que je suis là. Oh, allez, moi je vais partir, je crois. Et moi j'ai pas envie de me retrouver avec tous les gens de l'école parce qu'après ça va être un gros bordel. Bon, et bah en tout cas, les amis, je crois que le skin fonctionne bien puisque vous pouvez voir que les deux sont tombés dans le panneau. Vous savez quoi? Dès maintenant, on va voir leur réaction quand ils vont découvrir que je suis pas Swan, mais en réalité que je suis Twinner. Bon, les gars, j'ai un petit truc à vous dire. Par contre, les mecs, venez devant moi. Les gars, je vais devoir vous annoncer un petit truc en fait, les potes. Oui. En fait, la vérité, c'est que c'est pas Swan en fait. Pardon? Bon, attendez. Je vais juste vous montrer un petit truc et vous allez comprendre qui je peux bien être. Hein. Dis-toi. Les amis, attendez parce que pour l'instant, ils savent pas qui je suis. Ce que je vais faire, c'est que dès maintenant, je vais mettre ma vraie coupe de cheveux. Et là, je pense que certains vont peut-être me reconnaître. Alors pour ça, il faut aller là-dedans. Hop, c'est parti, on met les cheveux. Et vous le savez, moi, j'ai évidemment la coupe avec les locks. Donc dès maintenant, on va la chercher. Elle est où? Elle est où, ma petite coupe de cheveux? Ah, elle est pas là, elle est pas là. Les gars, il faut absolument que je la retrouve vite. Où est-ce qu'elle est passée, ma coupe de cheveux, les potes? Ok, bon, je trouve plus ma coupe de cheveux avec mes locks. C'est un peu problématique parce que là, on va pas pouvoir... je vais pas pouvoir montrer qui je suis pour de vrai, quoi. Ok. Bon, la vérité, si vous voulez vraiment savoir, c'est qu'en fait, eh bien... C'est moi, c'est Twinner, coucou. Attends, mais tu me dis quelque chose, toi? Bah, tu me connais pas? Si, si, je te connais, mais tu me dis quelque chose, attends. Bah, c'est moi, c'est Twinner, Twinblox. Oh, Twinblox, Twinner. Oui, c'est moi, oui, ouais. Mais vous êtes quand même abonné? Mais oui, il m'a abonné. Et même la cloche de notification. Ah bon, bah du coup, ils veulent reprendre une photo, ok, bon bah... Bon bah du coup, vas-y, vas-y, on peut reprendre une photo si tu veux, Tin. Hashtag Twinblox, vas-y, vas-y, bah je te laisse t'occuper. Bon... Vas-y, vas-y, va prendre une petite photo toi aussi si tu veux. Eh ben écoutez les amis, je pensais que leur réaction allait être un petit peu bien décevante, enfin qu'ils allaient être déçus de moi. Mais finalement, c'est des abonnés, donc du coup, c'était plutôt drôle quand même. Bref, dans les commentaires, dites-moi si évidemment vous trouvez le skin que j'ai fait plutôt réaliste avec Swan. En tout cas, moi j'ai kiffé faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu à vous aussi. Et puis si elle t'a plu dès maintenant, abonne-toi à la chaîne, mets un gros pouce bleu. Et propose-moi évidemment d'autres idées de personnages qu'on pourrait faire. Voilà, sur ce les potes, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne fin de soirée. Et à la prochaine, allez, ciao ciao.